à la manifestation devant l'ambassade russe pour signifier que nous étions contre la reconnaissance des deux territoires annexés par la Russie. Militants à la guerre en Europe, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Ukraine. L'Ukraine, c'est l'Europe, 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 l'Ukraine, c'est l'Europe. Nous allons nous battre pour que la France et l'Union européenne soient à vos côtés, que les sanctions soient les plus sévères et les plus fermes possibles pour réimposer un rapport de force vis-à-vis de Vladimir Poutine, qu'on sorte des naïvetés, qu'on sorte des complaisances de trop de responsables politiques français. Et on va se battre pour défendre la démocratie et la place de l'Ukraine en Europe. Merci. Bon courage. Merci. Bon courage. Merci. Merci. Bravo. Olé, le bataillon, marchons, marchons, grâce à la pluie, à l'ombre de Sion. Merci. Bien sûr, on a peur non seulement pour nos familles et nos amis, rester là-bas. Moi, personnellement, j'ai de la famille à Odessa, à Kherson, à Lviv, dans la partie ouest de l'Ukraine, qui ne sont pas encore impactées, évidemment. Mais évidemment, j'ai aussi peur pour l'Europe et puis la France. Donc, je suis ici aussi en tant qu'Ukrainienne d'origine, mais française et européenne. Ça fait 8 ans que l'Ukraine est en guerre avec la Russie. Donc il faut savoir que la Russie a annexé d'abord la Crimée en 2014, puis après a annexé des territoires qui sont à l'extrême est de l'Ukraine, une partie des oblasts, c'est-à-dire des départements si on veut, de Luhansk et de Donetsk. Ils les ont, disons, occupés parce que déjà c'est une population qui est souvent descendante de Russes mélangée avec des Ukrainiens mais avec passeport ukrainien, ce sont bien des Ukrainiens sur territoire ukrainien, mais parlant souvent le russe et donc étant plus sensible à la propagande russe. Donc ils n'ont pas les moyens non plus de se défendre même intellectuellement contre la pression de Moscou. Et après, évidemment, est rentré des mercenaires. Ce sont des mercenaires qui sont rentrés, puis carrément des Russes mélangés à des gens qui n'étaient pas capables de comprendre qu'ils étaient sous pression russe et ont commencé à se battre contre des volontaires ukrainiens, d'abord, qui sont partis en guerre avec des fusils de chasse. C'est comme ça que c'est passé en premier temps de la guerre. Et petit à petit, heureusement, les Ukrainiens ont commencé à se mobiliser, à apprendre à utiliser les armes et devenir une véritable armée qui n'existait pas en 2014. Poutine dégage l'Ukraine ! Poutine dégage d'Europe ! Poutine dégage l'Ukraine ! Poutine dégage d'Europe ! Poutine dégage l'Ukraine ! Poutine dégage d'Europe ! Assassin ! Assassin ! Assassin ! Assassin ! Il n'y a pas de proposition à faire avec Poutine parce qu'il n'y a pas de négociation possible. Pour lui, l'Ukraine n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez entendu son discours hier soir, mais il parlait bien d'Ukraine créée par Lénine et Staline, etc. Il nie complètement l'identité ukrainienne, la langue ukrainienne. Il considère que l'Ukraine est le berceau de la Russie, ce qui est absolument faux. C'est une propagande pure. La première mention de la Russie moderne, c'est 1721, Pierre le Grand, qui est devenu tsar de toutes les Russies. Dans son idée, c'était tsar de la Russie Moscovie
et de la Rousse de Kiev qui existait au 9e siècle. Donc c'est une déformation de l'histoire, c'est une déformation de l'identité ukrainienne qui existe depuis des siècles. La langue est une langue très proche du slavon, donc très, très ancienne. C'est un peuple qui a des traditions, des cultures, enfin des chants, des danses très particulières. Et on est scandalisé par le fait que la Russie accapare la culture ukrainienne tout le temps. Gogol n'a jamais été russe, Tchaïkovski n'a jamais été russe, a toujours été ukrainien. Ils ont évidemment écrit en russe ou se sont exprimés en russe parce qu'à l'époque, l'ukrainien était interdite. Il faut le savoir que dans l'Empire russe, l'Ukraine a été interdite plusieurs fois au cours de son histoire. Poutine terroriste ! 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 Je crois qu'il faut garantir les frontières de l'Ukraine, dire bien à l'Ukraine qu'on les soutient, qu'on ne reconnaît absolument pas l'annexion de la Russie, que l'on refusera toujours que la Crimée et les territoires occupés par la Russie aujourd'hui soient considérés comme russes. On a déjà perdu le Don, le Kouban, la Transnistrie et d'autres territoires en Pologne suite à la Première Guerre mondiale. Ça suffit. On a droit à un territoire, on a droit à une langue. Donc il faut bien signifier à la Russie qu'on n'est pas d'accord. Malheureusement, on ne peut pas l'attaquer directement avec des troupes. Mais je pense qu'à terme, je pense sincèrement qu'à terme, qu'avec les sanctions économiques appuyé par les Américains. Je pense que si les Ukrainiens tiennent le coup, c'est la Russie qui va s'écrouler de l'intérieur parce que les gens aussi là-bas veulent, les Russes veulent aussi, j'en suis persuadée, avoir une vie normale, avoir la liberté de la presse, avoir la possibilité de voyager, d'étudier, de nouer des liens avec l'Europe et le monde. Donc je suis persuadée que si nous tenons, si nous sommes soutenus, c'est la Russie qui va essayer de trouver des solutions par elle-même. Donbass, c'est l'Ukraine ! 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 C'est l'Ukraine. Je suis venu ici, c'est pour manifester pour la liberté des peuples et en l'occurrence pour la liberté de l'Ukraine aujourd'hui. Voilà. Moi, je voudrais que l'Ukraine reste libre comme elle l'a été depuis une trentaine d'années. Je voudrais pas qu'elle revienne comme c'était avant 91. J'aimerais pour ça retourner librement voir ma famille en Ukraine, librement aujourd'hui, sans visa ni rien, ce qui n'est pas possible aujourd'hui en Russie. So, solidarité avec les Ukrainiens. So, solidarité avec les Ukrainiens. So, solidarité avec les Ukrainiens. So, solidarité avec les Ukrainiens.